l'appelle Lucky Luke de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Même les Dalton, qui ne craignent personne, ont peur de Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Oh, sacré Lucky Luke. Et hors la loi, n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Que pensez-vous de votre premier voyage en diligence, cher monsieur Tintin? C'est plutôt difficile de faire la mise au point sur une route aussi accidentée. Tiens, un bandit du Far West, comme si pittoresque. Quoi? Pourriez-vous ralentir un peu que je puisse capter son image? Oh, c'est plutôt lui qui va nous capter. Jetez-moi le coffre, et surtout pas de gestes brusques. Puis-je vous demander d'en faire autant? Pas si vite, vous. Laissez-moi le temps de me donner un coup de peigne. Faut toujours éteindre son feu de camp en partant, c'est la loi du Far West. Il est temps de retrouver la diligence, Jolly, en route. Facile à dire. En attendant, c'est moi qui me la tape, la route. C'est pas drôle d'escorter des paniers à Sala toute la sa journée. Ça, c'est chouette. Je vais jouer avec ce petit chien-là. Nous, les chiens, on adore faire des trous. Encore quelques photos avec le coffre. Les journaux de la côte Est vont adorer ça. Ça suffit comme ça, les photos. Je me fais la malle. Avec le coffre, bien sûr. Mais où est passé l'autre chien? Tant pis. Tiens, un homme masqué avec un rire sympathique. Je vais lui sauter dans les bras. Ouf! Oh, les mains, coyote! J'ai tes revolvers. Et t'as un... Rentre en plan, qu'est-ce que tu fais là? Lucky Luke. J'ai déjà entendu ce nom-là. Ah, chacun son tour, maudit cow-boy. On s'amuse bien à ce jeu-là. À moi les revolvers. Ils ne te serviront à rien, l'ami. Oh. Allons, souriez, monsieur le hors-la-loi, souriez. Cela fait un bandit de moins sur notre route, Hank, et ceci grâce à vous. Et non, pas grâce à moi, monsieur Buckboard, grâce à Lucky Luke. Oui, c'était la moindre des choses. Je sais donner la patte. Vous savez, monsieur Luke, la compagnie de diligence aurait besoin d'un homme comme vous. Il faudrait escorter un chargement spécial qui doit partir pour San Francisco. Mais qu'a-t-il de spécial? Ah oui, ça c'est spécial. Du spécial en or massif. Pourriez-vous vous baisser un peu, monsieur? Monsieur! J'espère bien que personne n'est au courant de ce chargement d'or. Non, pas encore. Mesdames et messieurs, dans 10 minutes, la compagnie fait partir la diligence de San Francisco qui transportera un chargement considérable de lingots d'or massif.
Mais je n'en crois pas mes oreilles. Dans ce cas, je vais répéter. Un chargement d'or gigantesque. Mais vous rendez-vous compte que vous venez d'avertir tous les voyous et les canailles des environs? C'est bien ce que nous voulons. Nous voulons prouver une fois pour toutes que nul ne peut empêcher une de nos diligences d'arriver à destination. Bon, enfin, nous avons une chance de réussir puisque nous ne prenons avec nous aucun passager. Merci bien de me le rappeler. Je vais vous présenter vos passagers. Quelle sera la prochaine surprise? Vous connaissez déjà Monsieur Tintype. Tiens, un hors-la-loi de Western, vraiment pas de fibulaire. Et non, c'est le shérif, Monsieur Tintype. Je vous amène un nouveau passager, Buckboard, Scott Tops. 10 contre 1 que votre or n'arrivera pas à bon port, shérif. Surtout, ne pariez pas avec ce joueur incorrigible. Je ne parie jamais, shérif. Oh, ce voyage est un pari perdu d'avance. Dépêchez-vous, Oliver. Nous allons rater la diligence. Mais non, Arabella, chérie. Chargez les bagages à bord. Mais oui, Arabella, chérie. Les Flims feront le voyage avec vous, Luc. Et voici Monsieur Flims. Voulez-vous un coup de main, monsieur? Oui, Arabella, chérie. Non, je veux dire, monsieur Luc. Les voyageurs pour Denver, Fort Bridger, Salt Lake City, Sacramento et San Francisco en voiture! Pourquoi crie-t-il comme ça? J'ai rien fait de mal. Attendez, je suis le docteur Phileas Stitch. On m'attend à San Francisco. Il faut espérer que le patient ne s'impatientera pas. Grimpez à bord, doc! Yaha! Youhou! Et voilà qui crie encore. Yaha! L'avenir de notre compagnie de diligence repose sur les épaules d'un seul homme, Lucky Luke. Surtout pas d'ennui, Hank. Est-ce que l'or est bien arrimé? Pas de soucis à se faire, Luc. Mais je m'inquiète quand même pour la traversée de la forêt là-bas. 10 contre 1 qu'on tombe dans une embuscade. Je ne voulais pas l'admettre, mais Scat avait raison. Après l'annonce de Monsieur Buckboard, cette forêt grouillait sûrement de bandits. Si tu viens dévaliser la diligence des camps, j'étais là le premier. Ah, mais non. Alors là, je peux te garantir que c'était moi qui étais là le premier. Mais Phil, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'était la diligence. La diligence? Ah, mais non, c'est à moi, ça. Non, c'était là avant. Bravo, c'est à moi, non, c'est à moi. C'est ce qui s'appelle s'entendre comme larron en foire. Je sais pas, j'étais dans le pommier, je vous dis. Mais problème, espèce de rire, Du bandit, monsieur Luc. Laissez-moi prendre une photo. Oh, ça m'étonnerait qu'il consente à poser, l'ami. Eh? Ah bah, la diligence est partie, hein. Nous sommes sortis de la forêt, Luc. À partir d'ici, personne ne se doute que nous transportons de l'or. J'espère bien, Hank. 10 contre 1 que vous vous trompez. Tenez, monsieur Tom. Revenez ici, Oliver. Premier arrêt où on caresse la côte. Je pensais pas que tu y arriverais, Hank. L'or est toujours dans le coffre. Comment le sais-tu, l'ami? C'est dans tous les journaux d'ici jusqu'à San Francisco. Monsieur Buckboard ne s'est vraiment pas gardé un secret. Ma photo! Ils ont publié ma photo! Ça alors, j'aimerais bien avoir ma photo en première page. Allez, viens, en ton plan. C'est l'heure de déjeuner. Voilà du lard et des haricots. Et n'hésitez pas à en demander. Ah, je mangerai plutôt avec les chevaux. Qui sont gentils de se priver pour boire. Oliver, demandez donc à cet homme ce qu'est ce breuvage nauséabond. Oui, Arabella, chérie. 10 contre 1 que c'est du café. Alors, le café vous plaît? N'hésitez pas à en redemander. Ah, non, j'irai plutôt boire avec les chevaux. Les passagers pour Fort Bridger, Salt Lake City, Sacramento, San Francisco, en voiture. Ça crie moins par ici. Yeah, Charlie!
donc, pourquoi portons-nous toute cette eau par ici, Judge? Tu discutes les ordres du patron, Hux? Oh, ben non, où faut-il la verser? Laisse-la couler. Comme ça, alors, un peu près. Au lieu de scruter l'horizon, j'aurais mieux fait de regarder par terre. De la boue, et moi avec des fers à cheval tout neufs. Luc, nous sommes embourbés. Tiens, c'est drôle, mais pourtant il n'a pas plu. 10 contre 1 que c'est un piège. Je suis désolé, mais tout le monde descend. Attrapez-moi bien, Oliver. Oui, Arabella, chérie. Attention, ne pas salir ma robe. Oui, Arabella. Cet arrêt va me permettre de prendre quelques photos. On veut nous le photographier, Oliver. Allez donc, vous nettoyez. Y a de drôles d'animaux dans le désert. Maurice ! Oh ! Maurice ! Oh ! Je maintiens à 10 contre 1 que c'est un piège. T'as gagné, Flambeur. Vous tous les mandaires. Ta chance a tourné, Lucky. Il ne faut jamais désespérer, l'ami. Toi, t'as plus rien à espérer, Lucky Luke. Hux, descends le coffre-fort. Et vous, tenez-vous tous tranquilles. C'est ça. Ne bougeons plus. Ne tirez pas. Mais il faut bien que je tire ma photo. Oh, 10 contre 1 qu'il n'y arrive pas. Merci du coup de main, les gars. On va pas te voir. Allez, tu viens dans ton plan. Je m'amuse comme un fou dans la boue. Tandis que nous poursuivions notre voyage vers l'ouest, la chance nous souriait, sauf à l'heure des repas. Dépêchez-vous, vous arrivez à temps pour la soupe. 10 contre 1 que c'est. Ah, c'est du lard et des haricots. À l'aube, nous étions repartis pour les Rocheuses, non sans avoir pris un solide petit déjeuner de... Oui, vous avez deviné, du lard aux haricots. Allez, viens, rentre en plan. Ça devrait arrêter la diligence, John. Le patron m'a dit que si le coup de la boue ne marchait pas, il fallait faire une fausse avalanche. Elle a pas l'air fausse. Non, elle est pas fausse. Allez-y, les gars, poussez. Vous aussi, Oliver. Oui, Arabella, chérie. Les autres chevaux ont de l'aide et moi, j'ai un sac à puce. Regarde, Luc, un glissement de terrain. Ouais, il faut dételer les chevaux. Poussez. Stop. Retenez. Tenez bon, les gars, je vais atteler les chevaux. Que personne ne bouge. Ouais, les mains en l'air. La prochaine fois, c'est moi qui donnerai les ordres. Ma diligence. L'or. Mon appareil. Votre femme. 10 contre 1 qu'elle saute. Tenu. Oliver, faites quelque chose. Oui, Oliver, fais quelque chose. Oui, on devrait faire quelque chose. Tandis que la diligence dévalait la pente, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Oh là oui. Oh. Yeah, plus vite, Johnny. Eh bien, vous en avez mis du temps. Désolé, madame. C'est dangereux ce qu'il fait là, mais il est courageux, mon cowboy. Y a pas de quoi vous inquiéter, madame. Notre chance tiens bon, Luc. Et les freins aussi, j'espère. Alors, on y va, Luc. Ouais. Il ne manque rien en plan. Ça fait plaisir de se faire désirer. Allons-y, une heure pour casser la croûte. 10 contre 1 que c'est du lard aux haricots. J'espère que vous aimerez le bœuf aux pommes de terre. On ne peut pas gagner à tous les coups.
Mais cache-toi mieux, Ox. Ah ben, c'est facile à dire. On ferait mieux d'échanger. Yaha, Johnny! Voilà la diligence! Il n'y a encore rien de tel que la dynamite quand on veut attaquer un chargement d'or. Hé, la miche s'est éteinte, Judd! Vite, rallume-la! Et pourquoi ils nous poursuivent pas? Parce que tu tiens la dynamite! Dynamite! Ben, au fond, je crois qu'ils ont eu raison, Judd. Ça va aller tout seul, Luc, quand on aura leur passé devant ce groupe de guerriers indiens. Guerriers indiens! Oh, oh! Oliver, dites à ces indiens de s'écarter. Dites-leur vous-même, Arabella, vous êtes une femme. Bon, tu ferais mieux d'attendre ici, Hank. Moi, je vais aller parlementer avec eux. Aurait-il la bonne idée d'y aller seul et appuyer? Appelez le médecin! Je crois que je vais m'évanouir! Hélas, Arabella, chérie, il s'est évanoui avant vous. Alors, Luc, ils t'ont dit ce qu'ils voulaient? Ouais. 10 contre 1 que c'est l'or. Non. Alors, mais que veulent-ils? Vous. Oh. Monsieur Tintype ne se doutait pas de ce qu'il attendait. Il s'agissait du pique-nique annuel des Apaches qui voulait garder une photo en souvenir. Souriez, le petit faucon va sortir. Au revoir, Grichet. Ces braves gens m'ont appris un nouveau truc. Ici, Rentemplant. Je commence à être rassuré, Luc. Nous sommes arrivés jusqu'ici et l'or est toujours là. Ouais, mais tout bandit sachant lire le sait aussi. Madame, messieurs, si vous en êtes d'accord, Luc et Luc voudraient changer l'itinéraire vers San Francisco, n'est-ce pas, Luc? Ouais. Pour éviter les bandits qui attendent sur le parcours, normal, n'est-ce pas, Luc? Ouais. Il y aura donc plus de relais, n'est-ce pas, Luc? Non. Et plus de lard aux haricots, n'est-ce pas, Luc? Ouais. Qu'ont-ils contre le lard aux haricots? Je me doutais que notre changement d'itinéraire jetterait un froid parmi les bandits. Mais où diable est la diligence? Elle a 10 heures de retard. Ah oui, elle a 10 heures de retard. Il va falloir rentrer Brenouille à la maison. Parle pour toi et passe-moi ta montre. Enfin, n'y a-t-il plus d'honneur entre voleurs? Il me faut du bois pour le feu et je vous mijoterai un repas dont vous vous souviendrez. Enfin, autre chose que du lard aux haricots. Hein? Des haricots au lard. Oh, oh, oh. Voilà qui nous fait apprécier notre bonheur, pas vrai? Oliver, allez donc chercher du bois. Oui, Arabella, chérie. Oh, excusez-moi. La lumière est parfaite à présent. Les journaux vont s'arracher cette photo d'un vigilant gendarme du Far West. Un peu plus près, petit tout, là. Je crois qu'il veut que je bouge plus. Ça ne fait rien. Je vais me rapprocher. Oui, je crois qu'il veut que je me rapproche. Non, non, reste là, toi. C'est moi qui vais reculer. Okay. C'est drôle, je pensais qu'il fallait pas bouger pour une photo. Mais laisse Monsieur Tintype tranquille, Rentemplant. Tu vois bien qu'il prend des photos du magnifique ciel du Far West. Allons remplir les gourdes. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de petits bois. Arabella ne sera pas contente. Si au moins je pouvais déraciner ça, ça brûlerait toute la nuit. Oh là, oh, pardonnez-moi, j'ignorais que cette souche était occupée. Oh les mains! Hop, oh, non. Je la tiens, Judd. Alors, Oliver, où est le petit bois? Derrière moi, Arabella chérie. Oh, Lima, tout le monde! Toi, Ox, descends le coffre. Tu veux parler du coffre-fort? Vas-y, descends-le. Comment avez-vous appris notre nouvel itinéraire? 10 contre 1 que l'un des voyageurs est de connivence avec ses bandits.
Ah, si au moins Lucky Luke était là. Oui, pourquoi n'est-il pas là? Je vous parie 10 contre 1 que c'est lui, le bouchard. Mais enfin, où est Monsieur Luke? À votre service, les amis. Nous aurions dû prendre plus d'eau, il y a 2 invités de plus. Enfin, une authentique capture de bandits. Je dois prendre un document pour la postérité. Approchez-vous tous. Oh, un instant, il manque quelqu'un. Où est le docteur Stitch? Oui, et où est passé le coffre-fort? J'ai toujours soupçonné le docteur Stitch, n'est-ce pas, Oliver? Oui, Arabella, chérie. Luke, il se sauve! T'en fais pas, je vais le rattraper. Oh là, oh! Le rattraper. Mais qui, d'après vous, va faire la course? Oh, le bâton est malin. Il s'est sauvé avec l'or. Avec ou sans or, je me sauverai bien. Ma seule chance d'arrêter le faux docteur et de récupérer l'or était de l'intercepter dans le défilé. J'adore ça quand on me fait courir. On va attendre ce coyote ici, Jolly. Eh bien, tant mieux. Nous, les chiens, nous n'aimons pas l'avouer. Mais je l'avoue, je suis perdu. Je vais monter là-haut pour me repérer. Je suis sûr que ce coyote n'est pas loin. Tu l'as dit, Luke, et c'est tant pis pour toi. Bon, ça va, ça va, ça va, j'ai compris. Je vais filer avec l'or quand je serai débarrassé de toi. C'est un petit peu trop pour moi. Il faut que je fasse très attention. Oh là là! Heureusement que ce brave docteur est là pour me rattraper! Ah, chouette! Je suis plus perdu. Ça, c'est la meilleure. Toutes ces histoires pour un coffre rempli de cailloux. Les cailloux? Cailloux? Les cailloux? Cailloux? Mais qui a pu faire une chose pareille? Moi, Arabella, chérie. Je travaille pour Monsieur Buckboard pour la compagnie des diligences de Saddlebrush. Oliver, mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Parce que je ne peux jamais placer un mot. Alors taisez-vous maintenant pendant que j'explique. Oui, oui, Oliver. Ah. Chérie. Oliver nous confia que le vrai chargement d'or était déjà arrivé à bon port, à San Francisco, par l'autre route et sans publicité. Notre diligence n'était qu'un leurre. Mais c'est une odieuse tromperie. C'est vraiment malhonnête. C'est vrai, patron. Une fois Stitch et ses complices sous les verrous, la diligence gagna sa destination finale. San Francisco! J'eus la surprise de trouver Monsieur Buckboard qui nous attendait. Oh, je suis vraiment surpris de vous trouver ici, Monsieur Buckboard. Et j'ai une surprise pour vous, Lucky Luke. En conclusion, je n'ai rien fait pour mériter ce magnifique banquet où l'on sert... Oh, du lard aux haricots. J'aimerais proposer un toast à Lucky Luke, où qu'il se trouve. I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum dum. Lonesome cowboy, you're a long, long way to roam, to roam, to roam.